On commence debout. Après, on va bouger l'écran un peu pour faire la partie du sol. Alors, on va se placer tout simplement avec les jambes parallèles. On va respirer, relâcher le dos, faire une préparation du corps au début. Donc, d'abord, seulement les épaules. Je m'approche un peu. On inspire et on souffle. On descend bien les épaules. On inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. On va relâcher la tête sur un côté. On attend un tout petit peu. Et on change le côté. Attendez. Encore un côté. Et l'autre côté. Après, on va redresser la tête. Et on va inspirer, gonfler la poitrine et soulever un peu le menton. Et relâcher. Et en ce faisant, on aimerait allonger toute la colonne vertébrale. Trois fois. Et on relâche. Et encore. Et on relâche. Puis on va soulever les deux bras là-haut. On va entrelacer les doigts de main et pousser les paumes de main vers le haut. On relâche. Et on refait deux fois. Poussez le sol. Grandissez-vous. Et relâchez. Et encore. Et relâche. On garde les bras là-haut. On ouvre les jambes. Et on étire un tout petit peu en diagonale haute vers le haut. On revient au centre. On étire un tout petit peu diagonale haute. Et on revient au centre. On va poser les mains derrière la nuque. Et on allonge le cou. Trois fois, on relâche, allongez, relâche et allonge. On ouvre les bras et puis on va tourner les paumes de main derrière et on va travailler un peu le muscle du dos. Donc on va amener les bras tout petit peu derrière. On gonfle la poitrine et on sent les muscles du dos. Et on relâche. 8 fois. On inspire. Et on lâche. Pour le dos. 2. Et lâche. 3. Et 4. Et on amène le mouvement 4 ensemble. 5. Et 6. Et 7. Et 8. On garde le dos bien droit et on va ouvrir les pieds. D'accord? Les pieds un tout petit peu ouverts. Toujours le dos droit. On plie les genoux et on étire les bras là-haut. On plie les genoux avec les paumes de main tournées derrière pour ouvrir la poitrine. Et quand on monte, on aimerait garder les omoplates vers le bas pour muscler le dos. On va faire 8 fois. Et on fait 1. Et tire. Omoplate en bas. 2. Et 3. Omoplate en bas. Tourne de main derrière. Omoplate en bas. 4. On aimerait sentir le dos qui se chauffe un peu. 5.
Étire. Paume de main derrière. Paume plate en bas. Encore. 3. Étire. Respire. Baisse les omoplates. On fait une force pour baisser les omoplates. On va rester en bas maintenant. On reste 8, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours le dos bien droit. On étire et on fait 2 fois 8 encore, 2 séries. Bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et étire. Dernière fois 8. Les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et étire. À nouveau, main derrière la nuque. Respirez. On ouvre bien les coudes. On gonfle la poitrine et on inverse le mouvement. On plie les genoux. On arrondit le haut du dos et on étire entre les omoplates. On reprend. On ouvre. On gonfle la poitrine, on sent que les omoplates se resserrent. Et on inverse le mouvement. On arrondit le haut du dos. On ouvre encore 2 fois. Et serre. Et arrondit. Encore 2. Et on ouvre. Et voilà, on se redresse lentement, très bien. Et on s'étire. Très bien, super. Très là, oui. On va faire un échauffement du dos encore 2 fois. La première fois, on enroule et on déroule. Et la deuxième fois, on reste en bas et on allonge et on plie les genoux. D'accord? On fait ensemble. Donc, on commence, on est droit et on enroule la tête, les épaules, on plie les genoux et on descend lentement. On rentre le ventre, relâchez bien la tête, déroulez les genoux pliés. On respire et on se redresse. Deuxième fois, on va rester en bas. On lâche la tête, les épaules. On descend. On relâche bien la tête. On reste en bas et on va 2 fois allonger les jambes. Et plier les genoux. Allonger les jambes. On va faire encore une troisième fois. Et plier les genoux. Et dernière fois, allonge les jambes. Plie les genoux et on déroule en rentrant le ventre. Lentement, lentement. Voilà, on respire un peu. On va partir, on va passer au sol. Donc, je vais baisser un peu mon écran. Voilà. Et on passe au sol. Super. Donc au sol, on va reprendre un peu de la position du dos avant de s'allonger. La position du dos, ça demande une force du ventre pour que le dos ne se relâche pas en bas. Donc il a devant le ventre, mais aussi derrière le dos. Et on monte cette partie-là. D'accord ? Donc on va penser nombril et derrière la taille. Et on pense à monter cette partie ici. Super. Pour ne pas relâcher. Donc, on va toujours penser à monter. Donc, on va faire comme ça. Les mains ici. Nous sommes montés. On garde cette partie suspendue. On recule un tout petit peu, tenu par le ventre et par les muscles du dos. Et après, on arrondit. La tête va regarder le nombril complètement rond. Et on part rond en bas. Et on revient droit. Et on reprend. On monte
On recule, on arrondit et on descend en bas. Et on reprend. Genou, recule et on rentre le ventre et on descend. Et on fait 4 fois encore. On monte, on recule, on rentre le ventre et on descend. 3 fois et on monte par ici, on recule et on arrondit. 2 et haut, derrière et rond. Et dernière fois, haut, derrière et rond. Voilà. Très bien. Ici, on passe complètement au sol. On va s'allonger. Et vous vous souvenez de la respiration hein, qu'on utilise, qu'on va faire 5 fois avant de bouger. Vous allez poser les mains sur le ventre et nous allons faire inspire par le nez et souffle par la bouche en rentrant bien le ventre. D'accord ? On fait 5 fois pour pratiquer la respiration et après on va travailler avec les jambes. Tête au sol, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on vide le ventre et on va travailler le bas-ventre, périnée. Inspire. Et souffle. Contraction du bas-ventre. Encore. Inspire. Et souffle. Colle bien le dos au sol. Encore 2 fois. Inspire. Souffle. Inspire et souffle. On garde le dos au sol. On passe au premier mouvement qui est le plus simple, qui est soulever une jambe pliée, poser, alterner avec l'autre jambe, poser. La tête sera toujours au sol. On inspire en bas, on souffle. On inspire, soufflez, ramenez. Ce mouvement si simple requiert une résistance dans le mouvement pour que le ventre puisse travailler. Donc, on va imaginer que la jambe est lourde pour ramener et elle pousse quelque chose pour descendre. On ramène quelque chose et on pousse quelque chose. D'accord? Et souffle. Inspire en bas. Et souffle. Inspire en haut. Et souffle pour descendre. Inspire rapide. Souffle pour monter. Souffle. L'inspire est très rapide et le souffle est pendant le mouvement. On fait 4. Dernière fois. On enchaîne le prochain mouvement. On change en haut. C'est le ciseau, genou plié. Tête au sol. Donc, la force du ventre, c'est pour maintenir le dos au sol. Et pareil, les jambes, pour faire ce mouvement simple, elles vont avoir besoin d'avoir une résistance dans le mouvement. On va baisser les côtes et coller toutes les vertèbres. On colle toutes les vertèbres du dos. Encore. Allonge la nuque. On baisse un peu le menton. On garde le dos au sol. Et la force du ventre pour coller toutes les vertèbres au sol. On fait encore 5. Et 4. Et 3. Et ventre. Et
Dernière fois, on fait une pause avec les jambes en haut. On masse bien le dos un tout petit peu. On pose un pied et l'autre et on va étirer les bras. Et les bras le long du corps. Maintenant, nous allons travailler avec une jambe en hauteur. Toujours bien rentrer le ventre, bas du dos au sol. Et nous allons faire un cercle avec la jambe et un point au milieu, comme si on dessinait un point au milieu. Donc, on inspire dans le cercle et au point, on souffle et on rentre bien le ventre. D'accord ? On va faire 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre sens et on changera des jambes. Mais c'est lent, tout le temps le ventre bien rentré. Et inspire, souffle. 2, 3, 4. On baisse les côtes. On garde le dos au sol. 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. Cercle et point. Cercle et point. Cette jambe, elle est bien longue. Ça va nous permettre de travailler les muscles des cuisses. Et la jambe qui est pliée en bas, on peut contracter le fessier. On allonge la nuque, on baisse un peu le menton et on fait le dernier cercle. Et on change de jambe, l'autre jambe là-haut. Cercle et point avec le souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et cercle et point. Et cercle et point. Donc notre jambe, c'est comme si elle voulait toucher le plafond. Le ventre veut coller le dos au sol. La nuque bien longue, le menton légèrement baissé. Encore deux fois. Dans l'autre sens, 10. 1, 2. N'oubliez pas que notre fessier de la jambe pliée, nous pouvons le contracter. On baisse toujours les côtes. On colle toujours le dos au sol. Et deux fois encore. Dernière fois. Et on pose le pied au sol. Super. On respire un peu et on étire. On va tenir une jambe. On arrondit le dos. On relâche la nuque. Et on va allonger la jambe à la hauteur du genou. D'accord? D'ici, on va commencer haut et hauteur du genou. 10 fois. Et après, on va descendre jusqu'en bas si on peut garder toute la jambe tendue. Donc, je préfère qu'on descende moins, mais qu'elle soit tendue, que de la plier en descendant. On commence genou. On fait haut et bas, genou. Haut, genou. On bouge un tout petit peu le pied. On pousse vers le bas par le talon. Et on remonte avec le pied long, talon, long, talon en bas, long le pied, talon en bas, deux fois. Et là, on descend vers le bas, haut, descend, 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 descend. On va sentir un peu plus devant la cuisse, on monte, on descend, on monte, descendez jusqu'où vous pouvez en gardant la jambe longue et bien allongée derrière le genou. 3, on monte, 2, on monte, 3,
on monte et on relâche un tout petit peu cette jambe au sol. On va changer des jambes. L'autre jambe à la hauteur du genou. On monte pied allongé et on descend pied flex jusqu'au genou. 10 fois. Et allonge, genou. Et haut, on colle les dos au sol. On allonge bien la jambe. Et on travaille les muscles des cuisses et le ventre. Encore, allonge, flex, genou. Allonge et flex. Allonge haut, flex, genou. Et 3, 2, 1. Et on va jusqu'en bas maintenant. Et en bas, loin. Et monte. Allongez bien votre dos au sol. Par la force du ventre, le ventre va vers le dos. On allonge la nuque, on laisse un peu le menton. Encore 4. 3. 2, 1, et on va relâcher cette jambe au sol un tout petit peu, et étirement du corps. Très bien. Les deux pieds bien proches des fessiers. Nous allons faire le pont 4 fois, 4 temps pour monter, 2 temps là-haut et 4 temps pour descendre au moins. Quand vous allez monter, ne montez pas trop haut pour que le dos ne comble pas. Pensez à garder le dos plat, d'accord? Pensez que votre dos est à plat, pas trop haut pour ne pas cambrer. Donc, on pousse le sol avec les pieds. Le bassin s'enroule, rétroversion. On travaille les cuisses, fessiers, ventre. On reste là-haut, sans lâcher aucun muscle. Et on descend au ralenti. Et dans la descente, on profite pour bien rentrer le ventre. Bien, 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 bien rentrer. Et on passe par derrière la taille. Super. Et on fait. On monte, 2, 3, 4, on reste, descend lentement, on arrondit le bas du dos pour bien rentrer le ventre, inspire, pousse le sol, contracte le fessier, monte le bassin. Maintiens la force des jambes, fessier, ventre. Et on descend lentement. Vertèbre par vertèbre, on profite pour bien rentrer le ventre. On passe par derrière la taille, lombaire, sacrum. Et on relâche, on inspire et on fait la dernière fois, on monte lent. On reste un peu là-haut, on contracte bien le fessier et on descend lentement. Très bien. Maintenant, on va étirer un peu le dos. Amenez vos jambes vers vous. Les jambes sont un peu écartées pour mieux respirer. Et nous allons bien serrer les jambes contre la poitrine 4 fois. Jusqu'à sentir que un peu le bas du dos s'est décollé un peu du sol. Relâche.
Encore deux. Relâche. Trois. Relâche. Quatre. Relâche. Alors, on va poser les mains maintenant sous le fessier et on va travailler avec les jambes vers le haut. Cette position n'est pas facile pour tout le monde. Si on arrive à allonger les jambes, c'est plus facile. Mais quand on n'arrive pas à allonger les jambes, c'est très dur. Donc, si vous n'arrivez pas, autorisez-vous à travailler un peu avec les genoux pliés. Le mouvement que nous allons faire, c'est un pendule. Vous partez sur un côté jusqu'à ce que vous puissiez sentir la taille, les obliques qui se contractent pour vous empêcher de partir vers le bas complètement. Donc, on est au centre, bas-ventre. On part un peu sur un côté et on sent les obliques. On revient au centre, on colle bien le dos, bas-ventre. On part de l'autre côté, lentement, oblique. Centre, côté, sans tomber, pour travailler les obliques, centre, côté. Peu importe, jambes tendues ou jambes pliées, on laisse les jambes passer un peu sur le côté et on garde le dos au sol. On revient. Encore. Encore. Genoux pliés. Cette position de la chaise, on va essayer de garder le dos bien au sol. Pas très confortable, ça veut dire que les jambes ne sont pas trop rapprochées de la poitrine. Dans une position où que le ventre soit obligé à garder le dos collé. Donc pas trop bas pour ne pas mettre le dos en danger. Pas trop proche pour que ce ne soit pas trop confortable. Essayez de trouver pour le corps de chacun la position de la chaise qui vous permet de travailler le ventre sans mettre en danger le dos. Et on compte 8. On reste statique. 1, 2. On baisse les côtes. On rentre le ventre. On va vers le sol. 5, 6, 7 et 8. Et on relâche un tout petit peu. On pose les pieds. On étire les bras et on va allonger un peu la nuque. Posez les mains derrière la nuque et pensez seulement à allonger votre cou, à allonger votre dos et à baisser un peu votre menton. Trois fois, relâche. Allongez la nuque, baissez le menton, collez le dos au sol. Relâche. Inspire, dernière fois, souffle, allonge la nuque. On baisse le menton. Et on va laisser la tête au sol maintenant tranquillement. Alors, maintenant, une jambe va être dans la chaise. Pour commencer, elle va piquer loin. Donc, le pied dépasse l'autre pied. On va glisser la jambe au sol sans cambrer le dos. Donc, toujours le ventre rentre et le pied pousse et on monte. On va passer par la chaise. On pique loin. On va allonger, colle le dos et on monte. Chaise. On va loin le pied et on garde le dos au sol, on allonge
On remonte. Ne bougez pas trop le bassin. Allez piquer loin sans bouger le dos ni le bassin. Allonge. Monte. On fait trois fois. Chaise. Baisse les côtes, allonge le cou. Baisse le menton. Allonge la jambe et on monte. Deuxième fois. Chaise. Le dos bien au sol. On allonge et on monte et on fait la dernière fois. Chaise. On pique les pieds loin. Le dos bien au sol, jambes longues. Monte et pose. Et on change le côté, l'autre jambe. On part à la chaise. On pique le pied loin. Et dépasse l'autre pied. On allonge la jambe sans encombrer. On garde le dos au sol. Et on monte la jambe. Chaise. On va piquer loin. On allonge la jambe. On garde le dos au sol. Et on allonge là-haut. Chaise. On pique. On allonge. Et on monte. Et on bouge le moins possible le dos et le bassin. On allonge la jambe et le dos reste au sol. On monte. Chaise. On pique loin. On garde le dos. On allonge et haut. Et encore deux fois. Chaise. Et on pique. On allonge. Et on monte. Et dernière fois. Chaise. Et on pique. On allonge. Et on monte. Et on pose. Maintenant, on va relâcher un tout petit peu la nuque. Vous allez seulement tourner la tête d'un côté. Attendez un peu. Tournez la tête de l'autre côté. Attendez un peu. Et bougez un peu la tête d'un côté et l'autre. Voilà, très bien. Nous allons changer de position et nous allons nous installer sur le côté. Voilà, sur le côté, on va faire comme ça. Donc, vous avez vos genoux qui avancent un tout petit peu vers vous. Et ils ne sont pas devant vous. Ils avancent, mais vers le bas. Et vous allez avoir la jambe du haut tendue pour commencer. Après, on va allonger les deux jambes. Donc, les pieds sont un peu devant nous. D'accord ? On n'est pas complètement droite. Les pieds sont un peu devant nous. Les bras, je vous conseille pour l'instant, comme mode de prévention, c'est la tête sur le bras. Ça peut être avec le bras plié. Alors, bien sûr, vous pouvez être ici ou là. Mais pour être plus sûr pour la nuque cervicale, c'est la tête sur le bras. D'accord ? On commence. La jambe se soulève et la jambe descend. Que ça. Résistance pour monter et résistance pour descendre. Quand vous descendez, soufflez, rentrez le ventre. Inspire pour monter. Soufflez, rentrez le ventre. Voilà. C'est seulement un peu long. Lentement. C'est dans ce sens-là, d'accord ? On souffle. On monte. Et souffle. Remonte. Et souffle. Il y a toujours cette idée des résistances. On résiste pour descendre, on résiste pour monter. Et la jambe n'est pas très haute, elle est plutôt longue et va vers le bas, va vers le pied. On fait encore. Et 6. Bien le ventre à chaque fois qu'on descend. Et ventre. 8. Et monte. 9. Et 10. Et lâchez bien la nuque. Gardez la jambe soulevée.
et pulser, 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 pulser. Donc un petit va-et-vient, un tout petit va-et-vient avec la jambe bien longue, si possible, pour bien sentir le fessier. Et on garde le ventre creux, encore, encore, encore. On garde la hauteur, pas trop haut, mais longueur, légère hauteur. On va faire encore 5, 4, 3, 2, 1. Si possible, on enchaîne les cercles, devant, haut, derrière. Donc là, on sent bien le fessier, ventre, devant, haut. Fessier, derrière, fessier. Soufflez devant. Passez. Devant, haut, derrière. Devant, souffle. Haut, derrière, inspire. Devant, souffle, on rentre le ventre. Haut, derrière, inspire. Souffle devant. Inspire, derrière. Souffle devant, rentre le ventre, inspire derrière. Souffle devant, rentre le ventre, inspire derrière et on change le sens. Dans l'autre sens, pareil, la jambe quand elle est devant, on souffle. Inspire. Inspire derrière. Souffle devant. Et hop. N'oubliez pas la jambe du bas. Le plus allongé elle est, plus ça va nous permettre de travailler le fessier du haut. Donc, elle est bien allongée et bien contre le sol. On continue le cercle. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. On pose un tout petit peu les deux jambes l'une sur l'autre et on relâche la nuque. On va soulever les deux jambes 10 fois, lentement. Et 1, descend. Et 2, reste, descend. Et 3, reste, descend. Et 4, reste, descend. On colle bien les jambes. 5, reste, descend. On souffle. On rentre le ventre, souffle. Dernière fois. La jambe du haut vient devant. Et on étire bien la jambe du bas. Travaillez l'intérieur des cuisses. Ventre aussi. Donc la force part du ventre vers l'intérieur du cuisse. Haut et bas. Haut et bas. Haut et bas. À chaque fois. Dans le souffle, on rentre le ventre. Toujours. On va garder la jambe là-haut et on pulse, haut, pulse, 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 et encore. On va poser la jambe un tout petit peu au sol et on va faire les cercles. 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Et on fait 1. Les cercles du bas, ils sont plus petits, dû à la position. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans l'autre sens, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche un tout petit peu.
Avant de changer de position de jambe, on va faire une torsion du dos. Donc, amenez votre bras devant, si possible. Laissez la tête au sol. Et avec l'inspire, on amène le bras derrière. Et on respire trois fois. On respire bien dans le haut de la poitrine. Et on revient avec le bras devant. Puis on va changer de côté. On vient s'asseoir. On change de côté. Très bien. Et on s'installe. Donc, toujours protection pour la nuque. Les deux jambes allongées légèrement devant nous. La main devant. Cette main peut nous aider en poussant le sol pour qu'on étire un peu le dos aussi. Souvenez-vous que la jambe du bas, elle est bien tendue, ça aide. Et d'abord haut et bas, tout simplement. Monte et résistance en bas. Résistance pour monter et résistance pour descendre. Donc seulement lentement, parce qu'on garde plus longtemps le travail musculaire. On garde et on garde toujours en réalité. Le fessier et le ventre. Non. Respire. Alors, on respire tranquillement et on concentre bien la force vers le bas du corps. On fait 3 et 2 et 1. Et on va maintenir la jambe soulevée et on va pulser, 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 pulser. On concentre bien au niveau du fessier et du ventre et dans la longueur de la jambe vers le pied. Encore, on pulse. On pulse. Encore 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Et si on peut, on enchaîne vers le cerf. On souffle devant et on inspire derrière. Et devant. Haut, derrière, bas, devant, haut, derrière, bas, devant, haut, derrière, bas, encore. Trois, deux, un, pas très grand le cercle, dans l'autre sens. Gardez à peu près la hauteur de votre hanche. Ça dépasse un peu, mais la jambe ne va pas là-haut. Hein. Encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on pose. On va plier un tout petit peu. La jambe devant, ça va permettre d'étirer un peu le fessier. Et on travaille la jambe du bas. Les adducteurs, le ventre qui rentre, souffle. On soulève et on pose. Pour la nuque, je conseille de regarder un peu vers le bas, vers votre genou. Ça relâche plus la nuque. Inspire en bas et souffle pour monter. Et 3. Et 2. Et 1. Et on va faire la pulsation en haut. On pulse, 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 pulse. Respirez. On se concentre.
On rentre le ventre. Encore. On va relier bien le ventre au haut de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Et si on peut, on enchaîne les cercles. Devant, haut, derrière. Plus petit les cercles. Devant, haut, derrière. Donc on souffle toujours quand la jambe est devant. Et on inspire quand la jambe est derrière. Souffle. On enchaîne dans l'autre sens, c'est 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va allonger les deux jambes. Et ici, on va monter donc les deux jambes lentement 10 fois. On monte, descend, monte, reste, descend, monte, reste, descend. Et 4, on garde bien les jambes ensemble. 6. Et 7. Et 8. Et 9 et 10. Et on va plier les genoux et comme de l'autre côté, on amène le bras devant, on laisse la tête bien au sol, on relâche la nuque. Et avec l'inspire, on va amener le bras de l'autre côté. La tête regarde du côté opposé aux jambes. Et on reste 3 temps à respirer. Deux. Un. Et nous allons revenir vers le côté devant. On va changer de position. Nous allons venir nous asseoir. Alors, on va étirer un peu le fessier de chaque côté. Donc, on va commencer avec un genou qui est devant. Si on peut, on garde la jambe qui est derrière. Mais si pour le genou, si ce n'est pas confortable, on amène la jambe sur ce côté, d'accord? Donc l'idée c'est qu'on va étirer le fessier du bas, donc on va allonger le corps sur au-dessus du genou, d'accord? On va étirer un bras et l'autre et on penche la tête. On va compter 4 fois. On compte 1, reste tête en bas, et 2, et 3, et 4. Avec l'aide de main, on pousse le sol et on change de côté. Donc on change vers l'autre fessier et on choisit selon le corps si on peut garder la jambe ici ou allonger. Et on va se pencher sur le fessier. On allonge les bras, on penche la tête et on reste 4 temps en bas. 1. 2, 3, 4, et à l'aide de main, on déroule, on déroule, on déroule, tranquillement. Ici, on fait face, et on va étirer un tout petit peu encore, donc traction par le bas des cuisses pour étirer le dos. On garde le dos droit, on va relâcher la nuque. Donc, tête devant, côté, on ne passe pas derrière, on revient devant,
côté. On revient devant. On arrondit le dos. On cède avec les mains qui sont toujours derrière les jambes. Et on arrondit le dos le plus possible avec la tête bien vers le bas. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on étire le dos. Alors, on va maintenant faire traction par-dessus la jambe. On fait traction au niveau du tibia, des tibias, on étire. Et on va essayer d'avancer les mains en arrondissant le dos. La tête va se pencher et on regarde bien vers le bas. Peu importe la hauteur de notre dos, on reste en bas un peu. On lâche bien la tête et les épaules et on déroule. Maintenant, on pose les pieds ensemble, les genoux écartés et on donne un petit appui pour essayer d'assouplir l'articulation des hanches, un tout petit peu. Voilà. Après, une jambe va rester, le genou il reste là où il est, on allonge la jambe. Et l'autre pied, on l'approche de nous. On va faire notre traction maintenant au niveau du pied et du genou. Et on s'étire en ramenant bien le genou et le pied vers nous. Et pendant qu'on fait ce mouvement de traction vers nous, on essaie d'allonger l'autre jambe loin. Donc, traction et la jambe loin. Et on reste. On va penser à ouvrir la poitrine, à redresser le dos, à s'étirer un peu. On reste encore. On relâche. On change de jambe. On était au centre. Une jambe reste ouverte. L'autre pied est ramené. On fait traction et l'autre jambe va partir. Et traction et l'autre jambe va à loin. On aimerait essayer de remonter le bas du dos. Et on reste, on reste. Respire, ouvre la poitrine, baisse les épaules. Redresse, reste. Voilà. On va poser les deux mains et ouvrir les deux jambes. Pas trop, hein? Toujours à cette mesure. On pousse. D'abord, on va essayer de pousser avec le dos plat un tout petit peu, quatre fois. Donc, on pousse le sol. Et c'est comme si on va pivoter le bassin derrière. Donc, on pivote le bassin derrière et on pousse le sol. Et on avance cinq fois. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Chaque personne travaille selon son corps. Après, on pose les mains, une et l'autre, sur chaque jambe. Et on va faire traction encore une fois. On rentre bien le ventre et là, l'idée, c'est de étirer le dos droit, quatre fois. Donc, on fait le sommet du crâne part en diagonale vers le haut. Relâche. Donc, on tire les jambes et le sommet du crâne part là-haut. Relâche. On tire les jambes, traction le sommet du crâne là-haut. On relâche. Il y a un petit mouvement, on aimerait, du bas du dos. On rentre le ventre, sommet du crâne là-haut. Relâche. Maintenant, on va poser les mains au centre. On lâche la tête. On plie les coudes. Et on va patienter. On relâche. 4. On respire. 3. On respire. 2. Et vous allongez vos bras petit à petit devant. Dans la mesure du possible, on essaie d'étirer le dos devant nous. Respire encore deux fois.
Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Et on déroule. On déroule. On déroule. On déroule. On déroule. On fait face encore une fois. Et on va essayer de pencher un peu d'un côté de l'autre. Donc d'abord, l'idée, c'est de ne pas aller trop vers le bas, mais c'est comme si on allongeait le dos et qu'on veut aller vers la diagonale, vers le haut. Donc, on allonge cette partie, on se tient sur la jambe, donc on rentre la taille, et après l'autre bras vient près de l'oreille, là, et on pense à aller vers la diagonale haute, 4 fois. 1. Relâche un peu. Étire. 2. Et quand on étire le bras, on essaie d'amener toujours le fessier au sol pour bien étirer entre les côtes. Relâche. 3. Fessier au sol et le bras là-haut. Relâche. Et 4. On peut regarder vers le bas et c'est le bras qui va vers le haut et de l'autre côté qui va nous tirer. Super. On relâche un peu les cervicales en bougeant. On va faire de l'autre côté. Donc toujours la même idée, c'est comme si on remontait et le corps part un tout petit peu sur le côté. Donc, on se tient là, on rentre la taille, le bras monte près de l'oreille et le bras part en diagonale vers le haut. Quand il part en diagonale vers le haut, on essaie de garder bien le fessier au sol pour ouvrir entre les côtes et on teste 4. On étire et on relâche. Et 2. Attention cervicale. Vous pouvez regarder vers le bas. Et 3. Fessier au sol. Relâche. Encore une fois. Et 4. Et relâche. Et puis c'est le bras qui va vers le haut, vers l'autre côté, qui nous amène vers le haut. Voyez, on relâche un peu la tête. Et la dernière fois, dernier mouvement, on s'étire devant. Avec le pied flex, si on peut. Sinon, on garde le pied flex et on se tient au niveau de jambes ou du pantalon. Sinon, si on peut garder ici au niveau des orteils, pensez à allonger votre dos. Toujours les cervicales, le sommet du crâne aligné au bassin. Pour bien allonger. Donc, on rentre le ventre. On allonge le dos, on allonge les jambes. Pensez au sommet du crâne qui va loin devant, toujours loin devant. Et on va monter par le sommet du crâne. Là-haut, on lâche les pieds. Voilà, exact. On refait ça et on pense au retour. C'est vraiment le sommet du crâne qui me tire vers le haut. D'accord? Donc, on fait encore une fois vers les pied comme on peut, on rentre le ventre et on pense à étirer toute la colonne vertébrale vers le sommet du crâne et au-delà du sommet du crâne. On s'étire, attention cervicale et sommet du crâne qui nous tire vers le haut. Voilà, bien grand. Voilà. On a une envie, c'est de relâcher, mais non, relâche pas. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup.